stock il est vide. Hein. Il y a Octavor R3, Fafnir, Tempest Wyvern, voilà. Rien du tout. Après, il y a les packs duo là. Oh là là, il n'y a rien d'intéressant. Unicrest, Spryzen, Odax, Doomsizer, Carbeus, Yggdrion, Doomsizer, Octavor, Carbeus, Orusud et plein d'autres. Et un pack duo Excalus et Octavor là. À part ça, il n'y a rien, mais absolument rien. Il n'y a rien d'intéressant. Ouais, bon bah c'est un échec. Hey yo tout le monde, c'est Artunicorne GT. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai été faire le Bayonting comme vous l'avez vu. Voilà. Donc je suis reparti avec une toupie, voilà, j'ai acheté Alter Cognite C3 de type équilibre. Voilà. Donc une toupie que j'avais pas encore dans ma collection, voilà. Avec l'excentration du poids et une pointe avec un mode attaque ou endurance. Elle a 8 en attaque, 2 en burst, 1 en défense, 6 en poids, 7 en agilité et 0 en endurance, voilà. Donc c'est beaucoup une toupie plus typée attaque, voilà, parce qu'elle a vraiment une grande attaque. Alors pourquoi le mode endurance, il y a 0, je comprends pas. Voilà, donc ça, pour en fait, voilà, j'ai eu... En fait, ma mère, elle m'a dit, je pense que ça sera le tout dernier, ça sera la dernière toupie que t'achèteras, voilà, parce que j'en ai déjà plein, voilà. Donc je pense que ça sera le tout dernier unboxing. Mais vous inquiétez pas, parce que j'ai acheté une Takaratomi et un lanceur Takaratomi sur eBay, donc je vais les recevoir je ne sais pas quand, voilà. Donc je ferai quand même l'unboxing. Donc on va commencer par ouvrir Cognite. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai défait la toupie de son emballage, hein, voilà. Donc déjà, après, on a les instructions qui servent à rien, voilà, on s'en passe. Bon, après il y a le petit carton Switch Track là, la boîte. Donc déjà on a un lanceur Switch Strike, voilà, comme d'hab. Il est très très basique, voilà. C'est un lanceur blanc qui, voilà, avec une tirette comme ça, voilà. Après on va passer aux parties de la toupie parce que c'est le plus intéressant, voilà. Donc après on a la couche d'énergie ou le layer Alter Cognite C3 ou encore Alter Chronos en Takaratomi, voilà. Donc c'est un layer vraiment magnifique, voilà, qui est très très gros, voilà, qui a des 5 grosses lames qu'on voit là, tac, voilà. Voilà, donc avec un signe, avec je ne sais pas quoi, voilà, on a des yeux, là, voilà. Voilà, après on a le mode qui change avec l'excentration du poids, voilà. Donc c'est-à-dire c'est le truc là qui bouge, hein, voilà, pour le mettre d'un mode à l'autre. Je trouve que ça sert vraiment à rien. Et le QR code, bien sûr, pour le scanner dans l'application Beyblade Burst, voilà. Voilà, j'espère que c'est scanné, voilà. Après, on a le disque forgé ou le disque 6 Meteor. Voilà, donc c'est mon deuxième disque 6 et ma première frame Meteor, voilà. Donc Meteor qui est vraiment magnifique, voilà. Qui est assez gros, épais et tout, à mon avis il est très très bon pour des combos attaque, endurance, défense, un peu tout, voilà, je pense, mais plus attaque, voilà, comme 7 Meteor, comme un combo spécial qui est cool en attaque, Legend Spryzen 7 Meteor Extreme, voilà. Donc un disque assez bien, voilà. Pour moi il est plutôt pas mal, voilà. Voilà, et après on passe à ma première pointe de performance trans, voilà, qui est l'original de Novan Abstrius, voilà, dans l'animé. Donc c'est cool que je l'ai, parce que je pourrais faire des combats avec cette pointe sur Novan Abstrius. Donc cette pointe est assez spéciale, c'est une toupie pointe de type équilibre, c'est une pointe qui peut passer du mode attaque à endurance, donc là c'est mode attaque. Et là, on doit tourner et ça passe en mode endurance, voilà, on y voit une petite pointe qui on y voit la pointe là, voilà. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal comme pointe, ça fait penser à Storm Aquario, voilà, c'est vraiment le même principe qu'Aquario. Donc pourquoi ils ont pas mis cette pointe d'anti-attaque, je n'en sais strictement rien, voilà. Mais sinon elle est plutôt épaisse, voilà, assez fragile je pense,
Il va pas trop falloir en prendre soin. Donc je vais construire cette petite toupie Altar Cognite. Les clics sont bons. Ouais, pourquoi pas, ça va. Voilà, donc nous avons Altar Cognite 6 Meteor Trans. Voilà, c'est vraiment parfait. Cette toupie est magnifique. Elle est grosse et tout, à mon avis, elle est pas mal. Et les clics sont pas mal aussi. À mon goût, c'est pas mal, voilà. Donc on se retrouve pour le test parce que je suis dans ma voiture, donc je vais faire une liste puis après je mettrai, voilà, je vais faire ça en rentrant, voilà. Donc le test, bah c'est parti, voilà. On se retrouve pour le test de Alter Cognite. Donc c'est parti. On va la lancer toute seule en mode endurance, sans l'extracteur de poids, enfin, sans le avec le mode original. Maintenant, on va mettre le mode attaque avec la toupie qui tourne normalement, sans le changement de poids. Voilà, donc elle tourne très bien aussi en type attaque, voilà. Maintenant, on va mettre l'extract, le, on va changer le poids de la toupie, parce que ça fait comme différence. Alors, ouais, on va commencer par le mode attaque. Voilà, donc c'est parti. Voilà. Et maintenant le mode endurance. Je trouve qu'il va pas du tout avec le mode endurance et ça va pas du tout ensemble. Ça bascule trop, voilà. Maintenant on va faire tester contre Crusher Doomsizer 2 Vortex Hunter. Donc c'est parti. Le vainqueur est Crusher Doomsizer, voilà. Maintenant, on va faire tester contre Legend Spryzen. Donc c'est parti, on va mettre ce coup-ci le mode attaque. Voilà, donc lancer Legend Spryzen S3 en première. Et après Alter Cognite. C'est Alter Cognite qui l'emporte, voilà. Allez, on fait un dernier test, ce coup-ci contre Tempest Wyvern W3 Forglaive Atomique. C'est parti. Allez, vas-y, go, Alter Cognite. Qui va gagner? Le vainqueur est Alter Chronos par KO explosif, voilà. Donc voilà, donc c'était le test de Alter Cognite ou Cognite C3 6 Meteor Trans. Voilà. Donc c'est une toupie qui est plutôt pas mal. Qui est plutôt pas mal, voilà. Qui peut battre Tempest Wyvern, Legend Spryzen. Ouais. En mode endurance, elle pourrait battre ces trois toupies-là parce que elle est. Voilà. Tempest Wyvern est assez facile à exploser. Legend Spryzen S3, elle a un peu pas beaucoup trop d'endurance et qui Crusher Doomsizer des fois elle fait des petits coups donc voilà, ça permet de... elle a pas trop d'endurance. Après elle peut se faire battre contre Fafnir, Genesis Vatriek ou des fois par Ranktavor, voilà. Mais dans une Fafnir c'est bien probable qu'elle perde, voilà. Voilà, donc c'était le test Alter Cognite C3, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et un nouvel unboxing, peace! I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. All my brothers got that gas, and they always be smoking like a rock star.